Salut tout le monde, c'est Dino Oliveira, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour notre épisode numéro 9 sur la carrière de Valenciennes, sur FIFA 14 évidemment. Hop, voilà. Alors, aujourd'hui, et je pense que ce sera certainement le seul épisode de cette semaine. Aujourd'hui, on va affronter l'en avant Guingamp. De tête, il y a l'en avant Guingamp, il y a Bordeaux et il y a Monaco, je crois. Bordeaux, Monaco, voilà, c'est ça. Donc, on va tout de suite commencer. Alors, jouer le match. Hop. Donc, j'ai laissé. Comment il s'appelle, Grégory Pujol? Et je vais regarder si je peux faire d'autres remplacements. Je vais enlever Tanguy Doumbia, je vais mettre Nzayam ici à la place. Da Silva, tu vas laisser ta place à Ouri. Et du Courtiou, tu vas laisser ta place à Doumbia. Voilà, je pense que on a une équipe comme il faut. Et je vais mettre Paul Chariot à la place de Pento. Voilà. Jouer le match. Allez, c'est parti. Contre l'en avant Guingamp, je prévois. Je sais pas, je dirais. Allez, un petit 3-0, ce serait bien. Ce serait bien un petit 3-0, là, que je leur pète la gueule! Bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez Alors dans attendez deux l'instant. Je secondes. suis en compagnie de Franck Sauzet pour vous faire vivre ce match. Allez, salut Hervé, content d'être à vos côtés. Hop, pour cette allez. rencontre, nous allons suivre l'opposition entre le FC Valenciennes et l'en avant Guingamp. Ouais, FC Valenciennes contre Guingamp. Je ne me souviens plus qu'est-ce qu'ils avaient fait contre eux. Je ne me souviens plus le résultat en fait. Mais bon, je pense que bah là on est premier du championnat, il me semble. Alors je pense que ça devrait aller. 14 victoires, un nul, une défaite. Puis il faut voir la défaite. Et aussi je vais faire un gros tour du centre de formation au début de la période de transfert. Donc, faut savoir la période de transfert. Je ne vais pas commencer la période de transfert dans cet épisode. La période de transfert sera disponible dans Le l'épisode match 10. peut démarrer Donc, maintenant. vous aurez sûrement compris que l'épisode 10, il n'y aura Reçoit coup. que 2 matchs. Et encore 2, je ne sais pas, Elle ça s'avance dans la dépend. surface. Parce que je vais avoir la Toujours. période de Allez, le transfert, je vais tacle, mais c'est avoir pas fini. les Diallo. retours, les rapports Mandal. de joueurs, les rapports mensuels. Donc, bon, Claudio il y aura Beauvais. pas mal de choses à Oh, il est faire. passé, il est passé. Alors, Et je crois qu'il ne le reverra hop. plus. Oh, il fallait l'arrêter. Je l'ai Excellente arrêté préparation du défenseur. comme un ouf. Je sais pas qui l'a arrêté. C'était un Martins black, ça je Pereira. sais, mais bon, je vais pas dire qu'il y a que des blacks hein, dans mon équipe. Ce Taylor. serait vraiment Après Camara. gros connard de ma part. Vas-y, Pujol, vas-y. Il va tout Pim. seul. Oh, attention, le poteau, c'est pas fini. Putain. Quelqu'un pour reprendre ce centre. Tiens. Taylor. Attention. Ouais, Putain de bien missile arrêté qu'il a par le envoyé. gardien. Ce ballon était dangereux. Et ça se termine sous Donc oui, pression avec ce corner qui est concédé. je pense qu'il y aura quand même deux matchs hein, dans le prochain épisode. Mais il y aura des périodes de transfert. Hein, donc Camara. après, à Oh, il savoir fallait des coups pour reprendre ce ballon de si la je tête fais vraiment jouer parfaite. directement les Belle joueurs. intervention quand même, À mais ça peine suffit pas. transférer, Et je veux c'est dire, complètement je en vais train de perdre sûrement le ballon. transférer Lucas Silva, ça c'est sûr. Je vais le transférer. Et à mon avis, si je peux en avoir un deuxième, ce sera un attaquant.
Ce sera sûrement Victor Andrade. Mais oui, parce que en fait, Premier et long filet je sur cette pense, interception, bien joué. ça, je sais pas si je vous l'avais dit, je pense que en fonction Martins de Pereira. mon centre de formation, je vais sûrement changer Bien joué. mon Le dispositif ballon change de camp. de jeu et passer sur Ballon. un 4-4-2, mais sans milieu gauche et milieu droit. Ce sera des Centré. milieux centrales, Le leader du un qui championnat sera plus retrouve avec le ballon. défensif et Et un un qui beau sera doublé, plus hein, je dois le dire, offensif. qui mérite sa place. Un bon ballon d'attaque. Us! Voilà! Bien joué, Chariot! Allez, on y va, on y croit! Us! On évite les La tacles défenseur y assassins, s'il vous perd. plaît. Taylor. Eh Il merde. s'était un petit peu enfermé sur les Vas-y, côtés. hé, mon gars, il s'est blessé tout seul ou bien? Le maître. Putain, je te jure, ça me gave. Eh, il a pas intérêt à être blessé, sinon ça va chier pour vous, les Il a gars. pris un coup, on dirait, hein, mais il garde sa place sur le terrain. Vous en savez un petit peu plus? Oh, c'est bien parti! Et le gardien qui Vous en s'étale savez à un la peu faute. plus? Non, on n'en sait pas plus, non, parce que tu m'as coupé dans mon élan, enfoiré. Hop là. Ah, il a du soutien, c'est bien. Oui, du soutien, carrément Ils du sont soutien. dégagés de la tête. Il est dans ton cul, le Le soutien, oui. maître. Sans carré. Donc voilà, hein, ce que je voulais dire, Thibaut c'est Giresse. que je ne prendrai pas Bon Yeni tabarré. Ngakoto, enfin je prendrai pas de milieu droit, vu que j'en aurais plus besoin finalement. Je vais Diallo. partir sur un style, Un en bon jeu défense ça glissant du restera défenseur sur pareil. cette interception. En Rien milieu de pour avancer terrain, le c'est là que ça groupe. va changer. Donc Pizarro. là pour le moment c'est un milieu défensif. Ouais, Enfin, il sur y le a un milieu panier, il défensif, deux dégage ce milieux ballon. centrales, un milieu gauche et un milieu droit. Et ça va changer en milieu Balbec. défensif, un seul milieu défensif. Allez, peut-être Il une y belle aura deux occasion. milieux Ouais, c'est bien centrales, dételé. sachant qu'il y en aura un qui sera plus Voilà, le milieu gros qui central veut défensif et sanctionner. un qui sera plus milieu central Ils essayent dans les offensif. matchs. Il Quel y était aura beau un but. milieu offensif Mandan. qui sera le maître du jeu, en Sans gros. carré. Et il y aura deux attaquants, mais enfin, d'après mon centre de formation, ce Diallo. seront des ailiers. Mais Martins Pereira. j'espère qu'ils pourront être tous les deux attaquants et qui seront Allez, assez bons Xavier Missi. pour l'être, quoi. Ah, il vient buter sur la défense. Qui seront assez bons pour être Oh, attaquants et l'arbitre vient de siffler la mi-temps dans ce j'espère vraiment match. que. Il manque cruellement 0-0 pour le J'espère moment. vraiment qu'ils Votre sentiment, Franck, sur cette première qu'ils période. vont être assez Bah, j'ai bons l'impression de pour voir être la même en équipe de buteur. chaque côté du terrain. On va deux sœurs jumelles Si un s'il peu. y en a Mais d'entre je vois pas vous qui qui va ont pouvoir faire la déjà fait différence jouer à un des moment ou à ailiers en l'autre. attaquant, mais enfin en buteur quoi, qui me le disent et s'ils étaient bons, bah voilà, je les ferais jouer en tant que tel. Sinon, j'essaierai de les mettre en ailier droit et ailier gauche, hein. Et dans ce cas-là, le milieu offensif, ce sera celui qui mettra les buts. Mais bon. On verra, on verra. Ou sinon, je fais excentrer un petit peu les attaquants. On verra. On verra. De toute façon, voilà, c'est vraiment ça qui changera, quoi. Bon, sur ce, maintenant que j'ai parlé et que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, on va pouvoir commencer à être légèrement plus sérieux. Et quand je suis plus sérieux, ça fait plus peur. Alors, Da Silva, tu laisseras ta place à Stevens. Pas pour le moment. Du Courtiou, tu vas rentrer parce que à chaque fois que tu rentrais, tu me faisais un petit peu. Ah, il veut le gagner ce match, alors il tente, il a Il peut-être faisait un raison. peu une. Enfin. Je sais pas comment dire ça. Il apportait quelque chose en Et voilà, fait. c'est Il apportait reparti. quelque chose et je sais pas pourquoi. Pourtant, il est Quel moins audio fort dévu. que Camara. Je sais pas pourquoi, mais il me faisait toujours un peu du bien. Enfin, faut pas sortir ça de son contexte, hein, bande d'esprits vicieux. Elle dégage du point. Ouais, Allez, bien on joué peut le encore dégagement du point, partager sur Chariot. cette action, mais c'est bien joué là de la part du gardien. Ouais, carrément. Ah, Chariot, il est en pleine forme là où Thibaut Giresse. il s'est. Oh, bon ballon. Non! Il y a Tabaré.
C'est bon, ça passe. De prendre l'avantage au score. Ah, c'est dommage de rater une occasion pareille. Pas assez de précision dans son geste. Allez. Qui c'est qui va changer? Moi, je vais me barrer. Et je vais mettre Da Silva à la place. Et Babak va sûrement laisser sa place à... Waris, allez, fuck it. Fuck this shit. Un mauvais timing au moment du saut. L'équipe à domicile qui allez. Devrait bientôt effectuer on un va changement. On va quand même essayer de faire un bon match. Hein. Animateur. Pujol. Vas-y, Nzayam ici. Vas-y, cours. Us. Dommage, 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 dommage. C'est dommage, Nzayam ici. Au moins, t'auras tenté ta chance. On en reste sur ce score de parité. Bon, là, mon joueur n'a pas... vous vous souvenez, hein, l'épisode 8, c'était « Je suis l'homme de la situation, bitch, please ». Bon, là, en tout cas, il n'a pas marqué de but, là, pour le moment. Enfin, il avait pas marqué de but, Stevens, pour ce match. Mais bon, quel dommage que ça se finisse mal ensuite. C'est dommage, hein, mais bon, hein, on verra bien si ça finit par rentrer, c'est bien. Mais sinon, tant pis. Hein. On fera un match nul, ce sera un peu con, mais. Vas-y, Pujol, fonce. Tenter d'apporter de nouvelles solutions en attaque. Putain! Il ne peut empêcher le ballon de sortir. C'est dommage! Eh, bon, franchement, Da Silva, je le fais jouer vraiment parce que. Bah non, en fait, personne ne m'a demandé de le faire jouer, mais je le fais jouer parce que j'avais pas grand monde qui était en forme, quoi. Vas-y, Waris! 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 Vas-y, mais Pujol, quoi, tu peux la récupérer, fastoche. Attention, pourquoi tu la récupères pas? Ouais, moi, putain. J'étais au jeu. Savez quoi? Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être l'épisode de... Enfin, ça, ce sera pas forcément l'épisode du fail. Mais à mon avis, je sais pas pourquoi, mais je sens que cet épisode, ce sera l'épisode, enfin, ce sera un épisode... Putain, j'arrive pas de courir après le ballon et j'arrive pas à récupérer la balle. Et je sais pas pourquoi, mais je sens aussi que c'est ce match-là, ce sera le match du... La défense qui récupère. J'arrête pas d'avoir des occasions de but. Mais j'en mets aucun. Eux, ils ont une occasion de but, ils la mettent au fond. Corner, dit l'arbitre. Allez, un corner. Putain, mais Pujol! Allez. Ah, oh, putain. Animateur. Il s'avance vers la surface. Oh! Avec cette frappe. Bravo Da Silva! Oh, bravo! Oh putain! Da Silva, bien joué là! Bien joué! Bravo! On applaudit le dieu! Ah non, le dieu c'est Kerjan, désolé. Autant pour moi. Le vieux coup de klaxon. Le vieux coup de klaxon qui pourrit la vidéo. Us. Us. Allez. Je pète les plombs. Non, surtout ne te prends pas un but à la con. C'est propre ça. Le mec, je l'ai envolé, je lui ai fait un finish him. Je lui ai fait un finish him, mais c'est super propre. Vous pouvez nous en dire plus comme sur tac. Sa blessure. Oui, en effet, c'est son épaule qui a été touchée dans ce duel. Mais ça ne devrait pas l'empêcher de continuer à jouer, apparemment. Merci pour ces informations. Ah, c'est dommage. Oh oui, la bonne position, il va marquer. Oui, oui, il aurait pu marquer. Mais bon. C'est pas grave.
J'ai l'habitude hein, qu'il ne marque jamais. La gratuité, oui, je sais. Oh, qu'il est important ce ballon, oh, qu'il est important. Brah ne s'y trompe pas d'ailleurs, il pousse dans ses dernières minutes. Il pousse. Ah, attention, la frappe. Putain. Oh, il fallait mieux dégager, oui. Oh, j'ai failli la récupérer, disons. Sans carré. Vas-y, file-moi cette balle. Oh, il s'est bien jeté sur ce ballon. Je sais même pas comment je me suis pas reçu un carton, c'est. Blah non non yes ouf. Oh mon dieu. Bon, bah je disais qu'on avait gagné 3-0, mais non, on a gagné 15-0, c'est tout. Et c'est grâce à Da Silva. Comme quoi, je veux le revendre, mais il peut être pratique, hein, parfois. Parfois, il peut être pratique, Da Silva, je confirme. Mais là, pour le coup, voilà. Il a mis un but, quoi, enfin... Oui, il a mis un but. Ça en fait pas le mec qui... Ah, il est quand même à 8,2. Eh, Paul Chariot, il a fait un bon match. Hein. Allez. Peut-être que... Il se dit... Ouais, c'est bon. Il a récupéré le truc. Il y a Pento qui va se barrer, c'est bon. Va falloir que je sorte des bons matchs quand il va me faire jouer. Alors, bonjour, content de voir que vous avez confiance en moi et merci pour le temps, pour tout le temps de jeu que vous m'accordez. De rien, Lindsay, ça fait toujours plaisir. Grégory Pujol, je me sens en pleine forme et je vous remercie de m'avoir fait jouer. De rien, Grégory Pujol, ça a été un plaisir, mais si tu pouvais marquer la prochaine fois que je te fais jouer, ça m'arrangerait. Merci beaucoup. Alors. Oui. Comment il met trois plombes à m'afficher une page? C'est relou. Alors. Déjà. Waris, tu vas repartir à l'attaque. Hop. Allez, c'est parti. Rose comme un poisson dans l'eau. Proposition de contrat acceptée, Geoffrey Stevens. Ah oui, c'est vrai, j'avais augmenté un peu sa durée de contrat. Mais je vous l'avais pas fait en... Enfin, ça, je l'avais pas fait en... Je l'avais pas fait en vidéo. Je l'avais fait hors vidéo, en fait. Mais bon, il a accepté. C'est ça qui est bon. Alors, jouer le match. Et là, on va jouer un match en mode un peu particulier. Tout simplement parce que je vais faire jouer. Et je suis obligé, parce que je suis obligé, je vais faire jouer Jean-Philippe Aubameyang, Lloris Nery, à la place de Seulcis, et je vais faire jouer Yves-Marie Kergeant. Faites attention. Parce que le Dovakin Kergeant est de retour. Et je vais faire jouer Karl Medjani. Pour voir s'il peut donner quelque chose dans ce match. Ou pas. On verra. Donc, Obama, Medjani, Kergeant, Neri, Bubuck, Stevens, Kamara, Doumbia, Masuaku et Waris. Je pense que c'est une bonne team. On verra bien si ça marche. Si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, tant pis. Et il faudra faire attention parce que le prochain match et dernier match, ce sera contre Monaco. Et contre Monaco, ça va être... un peu plus galère.
Bon, remarque, j'ai gagné contre Paris 3-2, donc normalement, si on n'est pas trop con, normalement, ça devrait passer. Hein. Si je gagne contre Paris, je devrais gagner contre Monaco. Ça paraît logique. Première moitié de saison de ces joueurs, on sent sa patte dans ce groupe. Ouais, on sent ma patte dans ce groupe. Les débats qui se ah bah normal, hein, Steve Savidan. C'est chez d'ailleurs pas pourquoi il devient pas entraîneur ce mec parce que il... à mon avis il pourrait le devenir tranquille. Hein. Allez, c'est parti les gars. On passe direct en défenseur central en soutien. On passe en mode offensif, les gars. Offensif. Il a assuré la passe, hein. Ça file en touche. File-moi cette balle. Taylor. Eh merde. Eh. J'allais faire le centre, mais j'ai vu personne. Vas-y, Kerjan, vas-y, tire. C'est le drop. Un drop de Kerjan. Ah, 3-0, ça fait 3-0. Désolé. Mais bon, c'est tellement gratuit. Hein. Vas-y, Jean-Philippe Pogba. Il fallait peut-être venir en soutien. Pour ouais, aider. Il aurait fallu venir en soutien, en effet. Mais bon, il y a eu personne, donc... Merde! Comment ça, il y a faute? Sur moi? Ah non, il y a faute. Enfin, je comprends pas. Pourquoi il y a eu faute sur eux alors que c'est moi qui ai volé? Allez, qui va se relever le premier? Ne pas se prendre de but. Ne pas se prendre de but. Merci. Et merde! Maurice Bellet. Douche! Sergent, doucement les tacles, doucement! Je sais que tu veux bourriner, mais bon. Vas-y, Stevens! La frappe de Stevens et un but de Stevens! 10e but en championnat! Oh mon dieu! Et voilà qui fait des claquettes! Ah, c'est mortel, hein. Ces frappes à terre sont presque plus. Ah là, franchement, bien joué. Ça, c'est un beau but. C'est suffisamment au premier poteau. Très beau but. Enfin, très beau. Il a déjà fait mieux, hein. Il a fait des reprises de volée de dingue. Mais bon, là, on va pas dire qu'il mérite pas. J'espère que ce sera le meilleur joueur de Ligue 1. Il a bien sauté, parce qu'il le mérite. Après, ça m'étonnerait que ce soit le meilleur joueur de Ligue 1. Hein. Franchement. Parce que pour être meilleur joueur de Ligue 1, il faut quand même le faire. Oh merde! Kerjan, tu t'es fail! Julien Faubert. Merci. J'ai dit. Oula! Je crois qui s'est jeté comme une merde. Oh mon dieu. Et coup franc bien placé. Non! Ils n'ont pas traîné pour le jouer le coup franc. Non! Huch! Ouais, bien joué! Bien joué, Pento! Ah, ça tourne bien! Ouais, merde! Bien joué, Pento! Oh putain! S'il y a toujours danger! T'allez! Le truc que fait Pento, quoi! Ouais, merde! Bien joué, Carasso aussi! Parce que là, le missile que j'ai envoyé pour l'arrêter, fallait être. Kerjan, celle-là, elle est pour toi! Non, pour Medjani. Bah, il est où, Kerjan? Maurice Bellet.
Franchement, Kerjean, j'espère qu'il va devenir bon dans l'avenir. J'espère qu'il deviendra bon. J'espère déjà que dans FIFA 15, ils vont un peu l'augmenter niveau potentiel. Et aussi un peu au niveau du général aussi, parce que bon. Quand on regarde le tableau d'affichage, ben on se dit que l'essentiel est peut-être ailleurs. On s'approche de la route. Non, 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 non. Tu ne me... Bien joué, Kerjean. Ouais, merde. Putain, il y a 5 minutes Pape Camara. Vas-y, Waris, fonce. Y'a quelqu'un, là. Encore une reprise de volée. Allez, c'est gratuit. Bon, celle-là, c'est pas une reprise de volée. C'est tout simplement son deuxième but personnel aujourd'hui. Pas une reprise de volée, enfin, c'est une reprise, on va dire, sans... Non, c'est pas une reprise de volée, c'est une reprise sans contrôle, quoi. Henri CV. Bon, bah, c'est déjà son deuxième but aujourd'hui, à Stevens, hein. Franchement, je me tâtais entre le faire jouer en milieu central défensif ou milieu central offensif, mais... Franchement, je pense que je vais le faire jouer au niveau du milieu central plus offensif. Hein. S'il continue à me mettre des buts comme ça, c'est ce que je vais faire. Hein. Allez, c'est reparti les gars. C'est reparti. Est-ce qu'on garde le même esprit d'équipe comme en 40? Non, on va faire jouer Opa Nguette à la place de Masuaku. Histoire qu'il puisse jouer aussi lui aussi un petit peu. Je sais pas s'il avait beaucoup joué pour ce mois-ci, je crois pas qu'il avait beaucoup joué, mais bon. La seconde période qui reprend. On va voir. Hein. Mais merde! Il me faut un joueur défensif. Mariano. Contre-attaque. Dans le CV. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Blablabla. Pas tarder à revenir. Oh, quel joli tir. Non. Bien joué. Oh. Ouvra. Vas-y, Waris, fonce! Fonce! Fonce tout seul! Fonce! Fonce comme une... Ok. Putain, comment j'ai... Franchement, Pento, là, il me fait un de ses matchs. Je sais pas... Enfin, franchement, bien joué. Hein. Bye, bye, Ken. Pas commettre le faux. Et merde! Christophe Carbrat. Diabaté. Putain. Bon. Hop. Alors. On va. Faire un petit truc. J'ai plus de piles dans ma. Putain de manette. Voilà. Donc. En attendant. Pour vous faire patienter, je vais changer de joueur et je vais faire jouer Lies Ouri. Pour voir s'il peut apporter un petit quelque chose. Et s'il peut faire quelque chose, surtout. Qu'il apporte quelque chose, c'est bien, mais. S'il peut mettre aussi un petit but, c'est encore mieux. On va faire jouer... Rudy Mater. Voilà. Ça... CV. Ça y va ou CV? Je sais même pas comment ça se dit.
Ça s'agite sur le banc de touche. Plusieurs changements à venir. Allez, Mater ! C'est Mater ! Mater, un missile ou pas de missile ? Mariano, ses coéquipiers sont là en soutien. Non. Bien joué. Ça, c'était bien joué. Rudy Mater. Bien joué, ça. Et le centre. Ouais, la défense était là. Jussier. Pas pu faire grand chose. Julien Faubert. Alors, si vous pouviez me filer la balle, s'il vous plaît. Et il redonne. Bien joué, Ori. Vas-y, Stevens, vas-y. Oh, ouh partie. Putain, j'y ai cru. Tout pour la croître. Ah mon dieu, j'y ai cru les gars. Oh là là. Dommage. Hop là. Attention à cette perte de balle au milieu. Tu perds la balle. À terre. Vas-y au pas. Merci au pas. Et passe décisive de Yes Ori, je crois. Ah, que ce soit lui qui marque, c'est bien entendu tout sauf une surprise. Ah oui, il fait partie. Que ce soit lui qui marque, c'est tout sauf une surprise. Je crois que c'est la première fois que Opa Nguette a marqué. C'est gratuit. Et sur une passe décisive de Lloris, de Yes Ori, hein, ça c'est bien ça. Bien joué, Kerjan. T'as réussi à faire un tacle. Taylor. Merde. Maurice Bellet. Diabaté. Reste là. Et l'entraîneur de l'équipe à domicile qui va faire rentrer du 109. Julien Faubert. Moi, on sent que cette équipe a le souci de bien construire. Mais le ballon dans la boîte. Hop là. La défense qui commençait à s'empêtrer un peu avec ce ballon. Voilà, je le renvoie loin devant. Diabaté. Vas-y, file-moi cette balle. Et surtout, ne marque pas. Ouais, belle combinaison des Girondins. Oh, le tir. À la gardienne qui voit ce ballon filer en sortie de deux. Franchement, ça aurait été dommage parce que là, Pento, pour le coup, il me fait un match monstrueux, quoi. Ouais, il m'a sorti de ses claquettes. J'ai l'impression que les gardiens, ils sont en pleine forme. Ils ont envie de montrer des choses. Eh oui, encore une de montrer passe. Des beaucoup de choses. Mariano. Bleh. Ouais, ils affichent une chose, hein. Ils gèrent tout simplement cette fin de rencontre. Non, ce sera pas ce coup-ci qu'il se fera déborder. Ouais. Et ce sera même jamais me ferai déborder. De temps additionnel. Rudimater. Merde. Et ce match qui s'achève sur cette belle 3-0. 3-0, c'est terminé. 3-0, c'est terminé et j'ai bien joué. Ils sont irrésistibles, tout simplement irrésistibles. Et ouais, une nouvelle victoire qui assure encore un peu plus leur place de leader. Oui, merci, oui, c'est vrai, ça rassure plus toute l'équipe qui m'a aidé à préparer la place de leader, c'est vrai. Alors, j'ai fait 2 buts. C'est bien ce qu'il me semblait. Yes Ori a fait une passe décisive. Il y a Tongo Doumbia, Waris et Ori qui ont fait des passes décisives. Donc voilà. Et tac. 2 sur 6, Kerjan. Putain. Kerjan, le mec, c'est juste Monsieur le tacleur. Allez, on part pour le dernier match. Alors, je ne sais pas si je ne sais pas comment je vais faire ça. Alors, offre potentielle.
pour le poste de sélectionneur. Oui, en Bolivie, on me propose un poste de sélectionneur. Alors, Bolivie, je dis non parce que j'ai déjà essayé et ça m'avait pas intéressé. Et ça, la Hongrie, on m'avait proposé aussi, mais j'ai pas eu de retour dessus. Alors, je vais rejeter l'offre en attendant. Si j'ai des bonnes équipes qui m'intéressent. La saga continue. Bah quoi, c'est pas comme ça qu'il s'appelle le mec? Risque de perdre un joueur, Rudy Mater. Bah en même temps, je veux pas dire, mais Rudy Mater, il va pas rester. Hein. Désolé de te le dire, hein, Rudy, mais. Je vais pas te refaire jouer te refaire. Je vais pas te faire prolonger un an alors que tu vas perdre. Enfin, tu vas perdre du. Tu vas commencer à perdre du général. Hein. Conférence de presse. Ah oui, Kurzawa, il m'a fait. Il est pas mal, Kurzawa. Hop là. Je loue l'AS Monaco qui lui-même loue l'arbitre pour qu'il puisse. Stop! On évite de faire des blagues! Alors, c'est reparti contre Monaco. Allez. Ici, Matmira accueille ses anciens coéquipiers. Ouais. C'est vrai que lui, il ferait un bien fou dans l'équipe. En défense. Alors, on joue le match. On va se mettre en alternatif. Gestion d'équipe. Parce que là, les gars, c'est une bonne équipe en face. Je veux le meilleur de vous-même. C'est-à-dire, on va mettre Karl Medjani. Donc, Karl Medjani. En milieu droit, on laisse comme ça. Là, on va laisser comme ça. On va tous laisser comme ça. Juste, j'ai rajouté Karl Medjani à la place de Angua. Voilà. C'est parti, jouez le match. Oui, parce que bon, contre Monaco, faut quand même que je fasse un bon match. Et pour ça, il faut que je me prenne pas de but. Bim! Dommage. Allez, c'est parti. Hervé Matou, avec vous, c'est un plaisir de vous Oh retrouver mon Alexandre Dieu. Sauzet. Mais c'est aussi un grand plaisir, mon cher Hervé. Et ben voilà, c'est parti, le match. On Bon, prend allez. l'opposition entre l'AS Monaco et le FC Valenciennes. Est-ce Franck, Monaco, un petit ils sont mot où? sur l'équipe visiteuse. Cette première place est un Monaco. excellent motif de satisfaction pour Attends, l'entraîneur. Monaco, il était Ça où? aide à passer un joyeux Noël. J'ai pas vu dans à quelle place ils étaient, Monaco. C'est bien ASM, hein, normalement, c'est marqué. Mais j'ai pas vu. Bon, on verra. Ouais, toujours un peu de tension hein, dans les travées sur la Mais pelouse, non, il n'y a alors pas que de le coup d'envoi tension. vient d'être donné. Où est-ce que Donc tu la vois, ta devant. tension, quoi? Le mec qui me dit Ah, ça chez le va. cardiologue, Allez, je lui fermez la défonce sa porte et découvrez. gueule. Où est-ce que tu vois ta tension? Bah, chez le cardiologue! Allez, deux joueurs dans le dos. Ah, attention, elle a retourné. Loupé! Oh, ça va pas J'ai tarder à revenir. fail! J'ai fail! J'ai fait un ultra fail! Rodriguez. Peut-être une occasion. Comme de bien. Loupé! Ah, elle vient Pas bloquer loupé! sur la défense. Hop là! Dombia. Allez, on va essayer de passer. Taylor. Fonce! Fonce comme un. Fonce! Fonce, bordel! Mais fonce! Regarde ce ballon. Rodriguez. Putain, ils sont cheatés leurs joueurs. Marcao. À la talonnade, interceptée finalement. Allez, défenseur central en soutien, ça me c'est toujours Taylor. pratique.
Je me suis dit, il est hors jeu là, le mec. On appelle le balle un petit peu tôt. J'ai vu tout seul dans le fond. Hop là! Comment ça? Mais comment ça, y a faute? Et coup franc bien placé. Quoi? Ça fait carton rouge et coup franc bien placé, pas très malin cette fois. Mais quoi? Mais non, c'est pas très malin parce qu'il laisse ses coéquipiers en infériorité numérique. Mais en plus, il donne une véritable occasion de c'est... marquer. Un c'est, geste quoi c'est quoi c'est quoi cet arbitre de merde? Il est payé l'arbitre, hein, franchement. Non mais franchement les gars, vous êtes d'accord avec moi, l'arbitre il est payé. J'ai le mec, il est même pas tombé, il y a rien du tout. Et je reçois un rouge. Le défenseur central. Je reçois un rouge parce que je joue la balle. Putain, non mais sérieux. Mais va te faire foutre. Attends mais hey. Expulsion. Ouais, bah, merci, hein. Merci de. Hey, franchement, regarde-moi ça, l'arbitre, il est carrément sévère. Mais même pour lui, alors que c'est pas mon. Enfin, je veux dire, j'en ai rien à foutre, moi, de sa gueule. Moi, j'en ai rien à foutre du mec, hein. Oui, il a mis son corps en opposition, ça, c'est bien joué. Aïe, 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 aïe. L'arbitre, là, franchement. Un arbitre plus sévère que ça, je pense qu'il n'y a pas. Parce que là, franchement, j'ai. Vous êtes d'accord avec moi, il n'y avait pas de faute. Mais même pour Monaco, il n'y avait pas de faute. Il y avait tout simplement pas de faute. Putain. Ah oui, là, je confirme, la puissance du Dovakin. Là, pour le coup... Mais pour en revenir à la faute, franchement, hey, vous le direz vous-même dans les commentaires, je suis sûr. L'arbitre, il est trop sévère. Il n'y avait pas de faute. Donc, je pense savoir comment je vais nommer... Je vais nommer cet épisode un carton rouge imaginaire. Taylor. Allez, fonce, Dovakin. Dovakin. Ballon repoussé par le gardien, ça joue. Loupé. Le contre, il faut aller vite maintenant. Vas-y, Medjani, t'es le seul défenseur central maintenant. Va falloir que tu gères. Pape Camara. Oh, merde. Il en faut plus, hein. Il en faut plus pour le faire tomber. Il en faut plus pour le faire tomber. Il en faut plus pour être heureux. Il en faut plus pour être heureux. J'ai nommé un deuxième but pour être tranquille. Corner. Tiens, Doumbia. Bien joué, Doumbia. Deuxième but. Doublé de Doumbia. Allez, Franck, on revoit le but ralenti. C'est toujours dangereux. Les corners. Bien joué le doublé. Franchement, bien joué. La défense est battue. Que dire, ma défense est battue. Une avance de 2 buts à présent. Ouais. On est un peu. Je me sens déjà un peu mieux là. Merde. Hop là. Loupé. Au milieu de terrain. Medjani. Rudy Mater. Il récupère le mec, comment il récupère la balle comme un boulet. Excellente interception, bien joué. Allez, Taylor. On va essayer. Mon Dieu, ils ont juste trop de la chance. Le gardien qui a bien eu le temps de voir venir ce ballon. On voit bien sur les images que le tireur essaie de mettre de la puissance, mais ça ne suffit pas. Tiens, moi je vais t'en mettre de la puissance, tu vas voir. Pas assez pour surprendre la vigilance du gardien. Tu veux de la puissance, mais je vais t'en mettre, mon gars. Oh, cette tête qui ne sera pas cadrée, il va manquer quelques centimes. Deuxième corner. Il faut vraiment s'appliquer sur ce genre de ballon. Bah attends, mon perso, il est... Et là, il n'y a pas de pénalty, franchement.
pas au bout de nos surprises. En tout cas, le score est... Non, mais hey, franchement, les deux cartons rouges totalement imaginaires, le gars. C'est vrai que les joueurs ont eu un peu de mal à se maîtriser, en effet. C'est dommage, ces expulsions, là, mais bon, au moins, il y aura plus d'espace sur le terrain. Ouais, c'est dommage, ces expulsions. En même temps, je suis désolé, mais il y avait... Autant te prendre un carton jaune, pourquoi pas, encore et encore. Parce que moi, franchement, vous êtes d'accord avec moi, il n'y avait pas de faute. Le mec, je joue la balle, le mec, il bronche même pas. Il n'y avait pas de faute. Alors pourquoi je me prends un putain de carton rouge? Franchement, c'est n'importe quoi, hein, on est d'accord. Bon, du coup, va falloir que Medjani fasse un gros match. Je vais mettre Yes Houri à la place de Tongo Doumbia parce que Tongo Doumbia a fait un très beau match et je pense qu'il peut se reposer. Tandis que Yes Houri, il doit encore faire ses preuves. Allez. Et l'entraîneur qui va procéder à un changement. Changement plutôt audacieux parce que... Passer de 73 de général à 56... Allez, tout peut arriver encore dans cette deuxième période. Ouais. Comme deux autres expulsés. Mais merde! João Moutinho. Vas-y, Babac. Loupé. Ça panique un peu, mais ça dégage. Falcao. Ah oui, il y a Falcao, d'accord. João Moutinho. Us. Là tu vois, il y a faute. Là d'accord, je... T'as la faute. La faute. La faute et elle est même pas sifflée. J'hallucine. Et but. But de Geoffrey Stevens. 12 buts en championnat. Franchement là les gars, ça, c'est bon, et je fais un numéro de claquette. Wouhou! Bon, Mater, tu t'es pris un carton jaune. On va plutôt mettre Gbama à ta place, parce que, bon, je veux pas dire, mais... Faut être un peu plus soft hein, que ça. Il a vu une petite ouverture... Et il a choisi de frapper de loin et c'était la bonne solution. Il avait un petit peu de champ devant lui. Il a bien Vas-y, Gbama. Et l'entraîneur qui apporte du 109 à son équipe. À son équipe, ouais. Et qui sait que je vais changer aussi. Milieu droit, il n'y a personne qui peut aller en milieu droit. Il n'y a personne qui peut aller en milieu droit. Je suis baisé. Bon, bah tant pis. On va mettre... Allez, hop, faut pas une guette en milieu gauche, ça quitte. Keep avec un changement. J'espère que je vais pas le regretter. Parce qu'avec Falcao en attaquant droit, ça risque sûrement de corser un peu les choses. Aujourd'hui, le score qui est à présent de 3 buts à 0. De toute façon, moi je reste, hein. Je reste sur le terrain. Hein. Je suis obligé. Asana. Obligé de rester sur le terrain, sinon. Je vais faire comment? Merde! Eh merde! Et c'est Barbatov qui est à la récupération. Vas-y! Bien joué, Pento! Pas bien joué, Pento! Et c'est ça qui est bien parce que mon personnage est passé. Il revient un peu en défenseur si vu qu'il y a un peu d'espace. Barbatov, il avait vu l'appel, mais après c'est une autre histoire. Vas-y Waris, t'es tout seul. T'es tout seul. Oh, oui, le mais bon, hein, sur ce si vous voulez essayer quelque chose, ça n'a pas marché. Quelle occasion ! Ça va marcher ou pas ! Putain de barre de merde ! Hop là, merci. Bien joué Medjani pour avoir récupéré comme ça.
Ah putain, je voulais essayer de le lober, mais... Dommage, j'ai pas réussi. Voilà, j'ai pas réussi. Bon, par contre, j'espère juste que son, enfin, pour sa sanction, il va pas recevoir deux matchs en moins. Parce que là, bravo, Buck. Heureusement que t'es un buteur à la base. Ah non, mais je te jure. Bon, ils vont pas me laisser la balle. Oh, ce joueur, il ne renonce jamais. Et vous pouvez compter sur lui pour être sûr. Yes. Le ballon jusqu'à la fin. Allez. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public. Qui c'est qui va se barrer? Ouais. Assez surprenant hein, ce remplacement. Kurzawa à la fois. Ouais, c'est un peu contraire, on va dire, à la physionomie de ce match là. Je pense que les supporters doivent être assez perplexes. Hein, quand ouais, même. Bah oui. Kurzawa. Et c'est là il va me foutre un but. Bien joué. Je sais pas qui a fait ça, je crois que c'est 6, mais franchement, bien joué 6 alors. Merde. Les Monégasques avec le ballon, histoire de tenter quelque chose dans ce match. Pourquoi je fais ça? Il était hors jeu. Il était hors jeu, donc j'avais pas continué. Ouais, c'est bien taclé. Oh! Ah, la claquette du gardien! Non, ce sera une touche. Ouais, merci de venir. Parce que là, même si t'es venu, de toute façon, le mec là devant il était dissident. Us! Bonne abnégation sur cette interception. Bien! Ça a terminé. Et c'est fini. 3-0. Deux buts de Dunga et un but de Stevens. Il n'y a pas vraiment eu de match. Vous partagez mon analyse, Franck? Oui, on a vu qu'une seule équipe sur le terrain. Voilà quoi. Fort dans tous les compartiments. Bon, par contre, c'est vraiment les deux cartons rouges. J'aurais jamais été inquiété. Qui sont vraiment. Merci de votre attention. Enfin, c'est des cartons rouges. À très bientôt. Personnellement, j'aurais pas donné de carton rouge, hein, franchement. Franchement, il n'y avait aucun carton rouge de mérité. Donc, bon. C'est un peu débile, quand même. Le coup des cartons rouges. Alors. Putain, 9,8 j'ai fait. À croire que j'ai tout fait, tu sais. Ouais, enfin, l'Insee Rose, le gars, il a 5,7, tu sais. 5,7 sur 10. Mais bon, en même temps, le gars, il se prend un carton rouge tout au début, alors que le truc, carton rouge, il est même pas... D'ailleurs, je pense qu'il va sûrement en parler du carton rouge. Il va sûrement en parler dans la presse, le gars. Et il va sûrement le dire, hein, que le carton rouge, il est pas... suspendu pour un match. Bon, un seul match, ça va. Dans ce cas-là, je veux dire, dans ce cas-là, on va mettre Medjani à sa place. Voilà. Donc, il est juste suspendu pour un match, mais... Enfin, voilà, c'est ça, quoi. Le truc, c'est assez débile. Alors... Où est-ce qu'on peut voir ça? Sûrement là-dedans. Info club. L'équipe de la semaine a été publiée. Bah, Buck, il est dans l'équipe de la semaine. Ok. Un match tendu.
Ce match restera surtout dans les mémoires par le nombre de cartons rouges plutôt que par son niveau de jeu. Alors, AJ, je sais pas trop comment il s'appelle, et Lindsay Rose ont été prêts de quitter le terrain en raison de vilaines fautes commises dans un match qui a souvent perdu tout sens de la mesure. What? Je crois pas qu'on a vu le même match, hein, franchement. Rien ne semblait pourtant indiquer dans les premières minutes que la rencontre allait dégénérer, mais une fois le premier carton sorti, la situation n'a fait qu'empirer. Ce n'est pas bien pour le football, il ne faut pas montrer de telles images à des gamins. C'était vilain, je vais m'entretenir avec mes joueurs de leur part de responsabilité dans tout ça. Je ne veux pas que notre club soit réputé pour ce genre de comportement. Mais what? Dans ce cas-là, pourquoi tu fais jouer Kerjan, mon gars? C'était totalement gratuit de ma part, désolé. Mais non, mais sérieusement, vous êtes d'accord avec moi, les deux cartons rouges, n'étaient absolument pas... Il n'y avait pas de faute, je veux dire. Même un carton jaune, ça n'aurait pas passé. Il n'y avait pas du tout de faute. C'est... Voilà, quoi. Faute, 9 faute. Offre de truc pour le sélectionneur de l'Inde. Non, je rejette l'offre parce que l'Inde, non, j'ai pas envie. Bon, il y aura sûrement d'autres. Hein. Alors, vous connaissez les bails. Je sauvegarde avant d'avoir le rapport d'équipe et le rapport des jeunes du centre de formation. Hop, arrêter la simulation. Blessé à l'entraînement. Karl Medjani qui est touché. Pendant environ 2 mois. Putain. Kerjan, va falloir que tu bosses. Attends. Déjà, faut voir si les jeunes ont bien augmenté. Darnell Rose. Bon, lui, ça va. Didier Capel, lui, ça va aussi. Paris Ayassé, ça va moins. Xavier Le Bihan, ça va. Pablo Ayala, ça va aussi. Sergio Moreno, bon, ben, lui, il est ailier gauche. Putain, Ah, ouais, d'accord, désolé, j'ai cru voir autre chose. Bon, William Mignot, je vais le libérer, hein. Ça ne sert plus à rien que je le garde. Et Xavier Arangoa, je le garde. Donc, ça fait quand même une belle équipe, hein, je trouve. Regardez. Alors, déjà, Darnell Rose. Donc voilà, Darnell Rose, 47 à 61 de général, sachant que, évidemment, il va prendre du général en plus, vu qu'il va avoir... Le boost de mai. Et avec 80-94 de potentiel, donc là, voilà. Il sera sûrement milieu droit, hein, je pense. Enfin, ailier droit, pardon. Je crois avoir vu qu'il était ailier droit. Donc, voilà ses stats pour le moment, c'est déjà pas mal. Didier Capel, lui, ce sera sûrement un très très bon gardien, je pense. Je pense qu'il sera vraiment super bon. En tout cas, ses stats ont l'air d'être très bonnes. Fares Ayassé, lui, ce sera le gardien suppléant, le deuxième gardien, je veux dire. Donc, ce sera un gardien qui jouera pas beaucoup. Enfin, ce sera le gardien remplaçant. Kevin Le Bihan, lui, ce sera le milieu offensif. Si jamais, évidemment, il continue à se... à augmenter comme ça, quoi. À rester dans ces zones-là. Pablo Ayala, lui, apparemment, il va devenir très très bon. Donc, il a l'air d'être bon. Sergio Moreno, bon, bah lui, il est quasiment... c'est quasiment obligé de le faire jouer, hein.
Franchement, voilà. Et Xavier Arangoa qui remplacera sans doute un joueur en défense. Sûrement Angua et enfin sûrement lui quoi. Alors, hop, ça on enlève, ça on enlève, ça on enlève, on en a plus besoin. Blessé. Bon, bah toi t'as été blessé. Putain. Franchement, ça c'est pas cool. Du coup, Kerjan, c'est à toi de jouer. Alors maintenant, on va tout de suite voir, c'est le rapport d'équipe. Alors le rapport d'équipe de ce que j'ai vu directement là, il y a Stevens qui a augmenté d'un point. Donc, Nicolas Pento n'a pas augmenté. Il est sur la liste des transferts. Rudy Mater, lui, il n'a pas augmenté, mais je crois qu'il n'a pas baissé non plus. Yves-Marie Kerjan, je ne sais pas s'il a augmenté. Angua, lui, n'a pas augmenté. Céloussis, je crois qu'il a augmenté de quelques points. Abdou Kamara n'a pas augmenté. Babak, lui, il fait qu'augmenter en mental, ça me casse les... Mounounouniette. Là, laisse tomber, laissez tomber, oubliez à tout jamais, il est pas à vendre. Je le mets sur la liste des prêts courts, déjà. Hop, pour, voilà quoi. Tongo Dumbia, lui, il n'a pas augmenté. Masuaku a augmenté d'un point, ça c'est bien. Waris n'a pas augmenté, lui il n'a pas augmenté mais il n'a pas baissé non plus, lui il a augmenté de quelques points. Jean-Philippe Gbamin n'a pas augmenté, je vais le mettre sur la liste des prêts courts. Openget n'a pas augmenté, je crois. Est-ce que ça sert à quelque chose que Masuaku je le mets sur la liste des prêts courts en fait, du coup. Je vais le mettre quand même, on sait jamais. Yoris Neri n'a pas augmenté. Macedo Novès n'a pas augmenté. Eloge Nzayamissi n'a pas augmenté. Paul Chariot n'a pas augmenté. Plus pareil, j'ai bien envie de le mettre sur la liste des prêts courts. Du coup, peut-être... Non, Masuaku, je vais le retirer de la liste de prêts. Hop, voilà. Linceros a augmenté d'un point, je crois. Oui, il a augmenté d'un point. Da Silva n'a toujours pas augmenté. Eh oui, évidemment. Eh, Da Silva, franchement, vous êtes d'accord, les gars. Même s'il joue des matchs, il augmente pas, le gars. Bon. Ensuite, lui, il augmente pas. Lui, il a augmenté de 3 points. Donc, Kenny Lala, je vais le rappeler. Je vais le rappeler de son prêt. Dusan Djuric, je vais le laisser. Comme ça, Kenny Lala sera dans l'équipe. Alors, hop, retour de prêt, ouais. Blablabla. Blablabla. Kenny Lala, voilà. Comme ça, il sera dans l'équipe. Donc, vous avez vu ce que je vous proposais. Alors, évidemment... Karl Medjani ne pourra pas jouer, hein. ça c'est clair. Donc les prochains matchs, ce sera contre Bastia et en quart de finale, l'Olympique Lyonnais. Donc avant, il y aura forcément le 4 et le 7, il y aura les rapports mensuels. Et je vais voir, je vais tout de suite le faire devant vous pour demander des fonds. Puff, 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 je vais essayer de demander 2 millions. Se qualifier pour la Coupe des Champions. Atteindre les quarts de finale. Hop, je vais demander 2 millions. Voilà. Et donc, on verra ça... On fera les transferts de notre côté, enfin dans le prochain épisode. En attendant, moi, je vais essayer
parce que c'est la première fois que je vais le faire, je vais essayer de voir comment ça fonctionne les prêts courts. Et comme ça, je vous montrerai tout une fois qu'on sera en vidéo. Sur ce, moi, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire. Et je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde !